Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour te parler un peu des feats en musculation. Parce que oui, on m'a conseillé de faire des feats avec d'autres youtubeurs pour le référencement et tout. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les conseils, les soutiens que vous m'apportez afin de faire grandir et grossir cette chaîne. On a une bonne petite communauté, il y a de l'entraide, du partage et tout. Et pour ça, je vous en remercie énormément. Mais les feats, c'est très compliqué avec moi, malheureusement, les gars. C'est compliqué de fou parce que moi, les gens ils sont malhonnêtes avec moi malheureusement. Si tu me suis pas sur Instagram d'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Instagram. Tu peux remarquer que je fais des vidéos pour beaucoup de sportifs. Du moins, c'est ce que je mets en avant. Je filme pas que ça, je filme plein d'autres choses. Mais le sport, c'est ce que je mets en avant sur mon Instagram parce que c'est là où il y a le plus de clients et pas le plus de sous à faire, mais c'est là où il y a le plus de clients et de sous rapidement à se faire. Tu vois, clairement. C'est facile de trouver un client sportif, une petite vidéo, tu fais sa vidéo, tu prends tes sous, t'es bien. Mais, le problème c'est que les gens, ils voient ce que je fais, ils aiment bien ce que je fais, ils me proposent un feat avec des conditions totalement absurdes. Ça veut dire que maintenant, une personne qui veut faire un feat avec moi, il veut que je prenne ma caméra, que je filme l'entièreté de la séance, ou que je fasse un vlog avec lui, que je fasse le montage et que je lui envoie pour mettre sur sa chaîne à lui. Ça, c'est un feat. Non, mais clairement, c'est pas possible. Des demandes comme ça, j'en ai eu plus de 8 à partir du mois de janvier. Plus de 8. À partir du moment où je me suis mis à fond dans la vidéo sur Instagram, j'ai commencé à montrer ce que je faisais. Les gens ont vu que j'avais une chaîne YouTube. Là, on me propose ça. Non. Les gens qui ont 10, 20, 30 000 abonnés, j'ai pas envie. Le plus haut, il avait 50 000 abonnés, mais j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie de faire ça. Un feat, normalement, c'est que t'aimes le travail de la personne, t'aimes ce que la personne dégage dans ses vidéos, et tu veux partager avec lui une vidéo. Tu cherches pas à profiter et tout. Même si je sais que maintenant, 2021, 2020, 2018, 2019, 2017, les feats, c'est par business, clairement. La personne, tu t'en fous de sa tête, tu sais qu'elle a un certain nombre d'abonnés, tu vas faire une vidéo avec lui pour gratter des abonnés. Maintenant, c'est ça. Mais moi, non. Moi, c'est pour avoir des vidéos de qualité gratuites, clairement. Et moi, les mecs, je suis dans une impasse avec ça. Tous ceux qui me demandent un feat, mais qui n'ont pas de caméra, j'ai pas envie. Tous ceux qui me demandent un feat et qui veulent que je filme avec ma caméra, c'est soit la vidéo est sur ma chaîne, soit sinon, j'ai pas envie. D'accord? Clairement. C'est les gens, ils ont les moyens, ils ont des abonnés, ils ont un certain revenu, investissez dans du matériel et venez faire un feed, venez faire du lourd, venez faire du sale, d'accord? Parce que moi, je compte mettre de la qualité, je compte élever le niveau. Les feeds qu'on a vus auparavant sur YouTube, ils étaient lourds, ils étaient énervés. Et notre but à nous, c'est de faire mieux, clairement. Et on va faire mieux. Pour faire mieux, voilà, faut mettre les sous, clairement. Là, pour l'instant, les seules personnes que je suis susceptible de faire des feats pour ces quelques mois, c'est mon grand frère, mon gars Jojo et mon gars Giovanni. Jojo et Giovanni, j'ai fait une petite vidéo de eux deux d'ailleurs dans la vidéo ma nouvelle caméra. Je t'invite à aller voir aussi sur mon Instagram. Avec ces gens-là, je peux faire des feats sans problème. Parce que on se sait, on se comprend, on se connaît, tu vois. On est bien, clairement. Mais après, bien entendu, que plus tard, on va faire des feats. Bien entendu, on va les faire, on va les programmer, on va faire les choses bien. Et si tu me connais bien, tu sais comment je suis pointilleux avec la qualité des vidéos, ça va être lourd, d'accord? Ça va être lourd. On va faire des gros feats. Mais pour ça, voilà, j'attends que la chaîne monte, qu'elle prenne un peu en maturité, que on monte un peu en abonnés, voir si on arrive à un niveau où je peux faire des raids sur les... Ça peut être cool, ça. Dire à ses abonnés, allez spammer, comme ça on va faire un feat. Ça peut être cool. Je sais que là, pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là, mais ça peut être cool. Mais t'inquiète pas, tu verras des feats sur ma chaîne, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai un contenu que je peux proposer là. Vraiment, je sais pas si ça va intéresser ou si ça peut intéresser. Il y a plein de bodybuilders, professionnels ou non professionnels, qui veulent que je leur suive dans leur préparation physique. En mode, je les filme pour des vidéos YouTube, pour des vidéos Instagram. Et certains veulent que je les accompagne en compétition, en mode vlog, pour faire un vlog à la fin, un truc. Est-ce que
toi, t'aimerais voir une vidéo genre making of ou une vidéo ou de moi, comment je vis le vlog avec eux. Est-ce que t'aimerais ça? Sachant que moi, je vais être honnête, j'ai pas envie de faire ça me fait chier. Ce que j'ai pas envie, c'est de partir avec en compétition. Vraiment, j'ai pas envie. C'est pas un truc qui me passionne forcément. C'est déjà fait, ça a déjà été fait, et j'ai pas envie de refaire ce qui a été fait, clairement. Ce qui me déplaît le plus, c'est que comme sort de mon confort pour faire un truc, tu vois. Sachant que les bodybuilders, en général, niveau thune, ils ont que la thune pour leur prépa. Le reste, non. D'accord? C'est pour ça que si déjà les conditions financières sont pas d'accord des deux côtés, c'est mort. Mais si les conditions financières m'arrangent, là maintenant, c'est au niveau de moi, mon mental, tu vois. Il me faut une réelle motivation pour aller là-bas. Ça veut dire que si j'accompagne un bodybuilder en compète, mais que derrière, je peux pas faire un truc intéressant pour ma chaîne, ça sert à rien. Clairement, j'ai pas envie. Il faut qu'il y ait une petite part de passion en moi qui me dit, vas-y. Donc est-ce que ça peut intéresser pour la chaîne? C'est comme pour ma vidéo, je vais travailler à Dubaï. On m'a proposé plein de choses. On m'a proposé d'aller à Dubaï pour travailler des bons salaires, des beaux salaires dans la semaine, des SMIC. Ce que tu gagnes en un mois, en 2 jours, on te le donne dans la semaine, tranquille, en un projet, tu vois. C'est beau, mais moi, je vais pas aller là-bas. Tu vois, en fait, moi, j'ai une relation avec l'argent qui n'est pas la même que les autres. Gagner de l'argent, c'est bien, mais si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Clairement. Bon, après, voilà, l'argent, c'est quand même intéressant, tu vois. Si t'as un projet qui est très intéressant, mais pas d'argent, je vais pas te suivre, clairement. Non, à part si vraiment c'est un truc où je vais prendre du plaisir de fou, clairement. Mais quand t'es vidéaste et tu sais les heures de montage que tu vas passer derrière, le plaisir, faut le rentabiliser parce que sinon, c'est compliqué, clairement. Mais là, je te cache pas, là, je réfléchis à plein de stratégies de développement de chaîne, d'accord? Merci encore pour toutes vos idées, tout ce que vous m'apportez, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les commentaires YouTube. Merci pour tous les messages que je reçois d'entraide, de remerciements et de soutien. Merci beaucoup. Mais là, ouais, on va faire décoller la chaîne, bien sûr. J'attends encore les réponses par rapport au programme de sport, parce que ça sera un gros projet. C'est long, je sais pas encore si je vais les faire, mais si je vais les faire, c'est pas en mode je fais un programme de sport de 40 minutes et j'attends. Non, c'est j'en fais 5 ou 6, d'accord? Parce que je peux pas juger sur une seule vidéo. Parce que si je fais par exemple un groupe musculaire qui est moins intéressant que les autres, non, tu vois? Mon but c'est de faire plusieurs vidéos, regarder ce que ces vidéos donnent et faire un bilan à la fin en attendant plusieurs jours derrière, clairement. Parce que là, je t'explique, je suis dans une situation assez instable où j'ai pas trop le droit de dormir. Où je dois faire plein de vidéos pour faire décoller la chaîne YouTube. Je dois aussi m'occuper de mes clients en vidéo pour me faire du revenu pour vivre. C'est très compliqué. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de CDI, il n'y a plus rien là. Donc, je dois vivre avec ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai autant faim et c'est pour ça que je suis très très productif en ce moment. Et je prends en compte toutes les idées et tous les commentaires. En tout cas, si les feats t'intéressent avec mes frérots, comme je t'ai dit, dis-le-moi, on va faire des petits feats, des petites séances tranquillement. On va faire les choses bien par rapport à ça. Bon, moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram si c'est pas fait. C'est très important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.